Et on vous retrouve, Antoine Fraisse-Soulier, pour clore ce broker du jour avec un petit point pédagogique. On va revenir une notion fréquemment utilisée. Alors, question pour les novices, qu'est-ce qu'un support et une résistance et comment les tracer sur un graphique boursier? Oui, effectivement. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore au fait qui sont plutôt, comme vous l'avez dit, novices en analyse technique, un des piliers de cette analyse technique, hein, donc l'analyse des graphiques boursiers, eh bien, c'est la notion de support et de résistance. C'est vrai que ces supports et résistances sont considérés comme des piliers d'une bonne analyse technique. Donc, qu'est-ce que c'est que déjà, qu'est-ce que c'est qu'une résistance et qu'un support? Faut savoir que lorsque le marché fonctionne, vous avez une confrontation entre les acheteurs et les vendeurs. Et la confrontation, parce qu'elle est la plus marquée, c'est lorsqu'il y a des niveaux de support et de résistance. C'est-à-dire que lorsque les acheteurs et les vendeurs se confrontent le plus. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une résistance? Alors, une résistance, c'est un niveau de prix où les vendeurs, justement, sont plus forts que les acheteurs. C'est-à-dire que les vendeurs sont suffisamment solides pour éviter que la hausse des prix se poursuive. Dans le sens inverse, un support, c'est là où les acheteurs sont plus forts que les vendeurs. C'est-à-dire que souvent, lorsque les prix baissent, eh bien, on a un niveau de prix où justement les vendeurs n'ont plus la main et les acheteurs reprennent la main et donc les prix rebondissent justement sur des niveaux. Alors j'ai pris un exemple concret, comme vous voyez à l'écran, c'est le titre Apple. Donc Apple, j'ai tracé donc en donc juste pour vous expliquer aussi, c'est que les niveaux de résistance et de support sont généralement des niveaux des lignes horizontales. Donc la résistance ici est tracée en rouge et le support tracé en vert. Et donc, on voit que la résistance donc à deux niveaux, c'est-à-dire au niveau aux alentours des 180 $, eh bien les cours ont commencé à bloquer, c'est-à-dire que on était dans une phase ascendante et au contact de ces 180 $ aux environs, eh bien les vendeurs ont commencé à reprendre la main. Par conséquent, eh bien on a eu ensuite une chute, une première baisse du titre et ensuite une chute du titre. Et justement, le titre Apple est revenu tester des niveaux de support à 155 € qui correspondaient aux anciens sommets. Donc en fait, lorsqu'on voit que voilà, ici à 140 € également, 140 $ par exemple, pardon, c'est un niveau de support important. Vous avez également un niveau à 104 $. Donc en fait, lorsqu'il y a des creux, ici, vous voyez, c'est des niveaux de support et les sommets, c'est des niveaux de résistance.